grand point cap dominé actualité. Actualité à concernant pays d'Haïti, Conseil présidentiel transition qui pral faire expérience présidence tout notre là, réuni à Conseil des ministres gouvernement démissionnaire pour entre autres reconduire membre Cour supérieure des comptes à contentieux administratif. Actualité dans région Moyen-Orient, Israël exprimé opposition jeudi à devant décision Washington prend pour camper assistance militaire devant menace état hébreu pour mener une gros opération dans ville Rafah. Et puis ici aux États-Unis, manifestation étudiants pro-palestiniens a continué dans quelques campus universitaires. C'est pour ça, yo, avec l'autre quoi nous va le développer pour un petit moment. Merci d'être choisi VOA Creole pour informer actualité à peine d'abord dans le pays d'Haïti côté que Conseil présidentiel transition qui sous route pour faire une nouvelle expérience, une expérience présidence rotative ou bien tournante. Un bel te réuni à Conseil ministre gouvernement démissionnaire pour entre autres reconduire membre Cour supérieure des comptes à contentieux administratif. C'est une parmi les décisions que prend nous gagne sous place Yves Manuel. Madame juge Cour supérieure des comptes à contentieux administratif yo renouvelé jusqu'à ce que remplace yo conformément à la loi. Selon une décision qui a adopté en Conseil ministre Edgar Leblanc fils présidé à mercredi sous présidence Edgar Leblanc fils gouvernement renouvelé tout état urgence lan sous pays d'Haïti pour un mois. Pendant Conseil ministre lan, ministre commerce lan Ricardin Saint-Jean nommé comme ministre intérieur pour un petit bout de temps. Décision ça fait suite à refi premier ministre à Ian Patrick Boisvert pour assumer responsabilité ça à cause volume travail li gen sou compte li actuellement dans ministère économie et finance. En plus décision ça yo, autorité yo renouvelé tout mandat commission nationale marché public yo. Pendant conseil ministre ça gen divers autres décisions qui prend tant que grenoir inondation frappé dans jeu qui saute passé là yo, disposition pour faire propreté dans certaines zones dans région métropolitaine Port-au-Prince là et puis disposition pour 18 mai cap marqué 221 ans depuis drapeau créé. Parallèlement conseil yo pas arrivé sien à mercredi en entente sous présidence sonant là avec majorité 5-7 là à cause présence pour quoi elle est là de Smith Augustin dans présidence sonant là. Nouvelle a tombé gambonnet dans matin jeudi en Frisal Fonjean décidé se déplacer à Smith Augustin qui était voulu porter président sonant là dans CPTA à 5 présidents au lieu de 4 présidents Jean Saté décidé avant. Selon discussion qui en cours dans conseil présidentiel là, Edgar Leblanc fils a dû passer 5 mois dans tête conseil là, ensuite Smith Augustin puis Leslie Voltaire. Mais Gérald Gilles tape gain pour boucler président sonant là. Il capable seul bénéficier d'un mandat 6 mois de gouvernance. N'a pas souligné, dans ce qui concerne le processus de choix premier ministre transition, hein, plusieurs candidats déjà fait des propositions dans le conseil là. D'ici semaine qu'a venu là, conseil là t'a dû, t'en mets, analyse, dossier, premier ministre Kabyo. Moi, c'est Yves Manuel, depuis Port-au-Prince, pour VOA Creole. Fon dit que gen pile réaction qui continue à tomber sous conseil présidentiel de transition et gen même courant qui toujours a demandé pour y aller dans cour de cassation. Cependant, gen divers représentants organisation dans Jérémy dans département Grandas qui baille avio sous conseil présidentiel là. Nous gen sous place Mackinson Charles. Depuis après décision, majorité membre dans conseil présidentiel la prend pour mettre Edgar Leblanc fils comme président conseil là. Discussion yo continue dans mi-temps membre conseil yo pour joindre une entente à crise qui gagne dans mi-temps conseil là. Coordonnateur organisation pour changement la vie dans grand danse Jean-Hérard Monsignac estime c'est une bataille pour pouvoir qu'a fait en dans conseil là au lieu conseiller yo régler les affaires pays. Moi même constate pas gain bataille pays à terre, c'est plus bataille pouvoir qui gagne à terre. En tant que moun kap mené bataille politique, en tant que agent de développement qui t'a besoin de développement fait en dedans pays, c'est comme ça moi-même, moi gen plus bataille pour voir que bataille pour résoudre problème pays. Plus loin, M. Monsignac m'a déconseillé ou mettez sous côté tout intérêt personnel pour accrocher à l'idée pour capable avancer à pays. La bataille qui a là, Haïtien supposé vigilant. Si tout moun nèg ki lan conseil, yo supposé vigilant. Pour mettre bataille pour voir de côté. Mais pour faire tout ça, vous connaissez, pour entente entre eux. Pendant que vous n'avez pas connu, vous n'avez ni OPL, vous n'avez ni Lavalas, vous n'avez ni Convergence, vous n'avez ni Makout, vous n'avez ni PHTK, mais pour vous connaître, vous n'avez Haïtien, et puis pour vous prendre disposition à l'Haïtienne pour résoudre la crise. Parce que si le conseil a essayé de régler, soit vous avez fait la réparation, vous avez fait. Ou après, vous venez là, vous avez campé le conseil là, vous mettez un président,
gon premier ministre, li gon feuille de route, et puis qu'on y a là, même yo dit en avant. Marie-Mi Duverger, spécialiste dans gouvernance éducative et planification numérique, en même temps consultant dans réseau Combi de Femmes Grandance, estimé yo pas respecté quota femme dans la question conseil présidentiel là, pendant li mandé intégration 50% femmes dans gouvernement qui pral monter là, et représentation femme yo dans tout niveau dans question politique pays. Je dis, nous voyons comment yo exprimer dame yo, femme leader yo, dans gouvernance pays. Les nous constatons le conseil présidentiel qui est 9 membres. Nous jeunes une seule femme pourtant qui pas prendre décision. Nous dit comme ça, conseil gouvernement pour monter là. Nous demandons faut femme yo participer dans tout niveau et faut que 50% femme qui ministre n'a répété encore. Faut que 50% femme qui ministre, femme leader yo prend main nous, pas quitter pas c'est nous l'embêtise, pas quitter piétiner nous et choix yo doit fait dans tout pays. N'a dit aux population grand instant après des temps qui ça conseil la pral faire pour établir sécurité dans pays en pour yon façon pour moun yo capable circuler et entrer dans capitale pays en. Jean Saté Konye avant. Depuis Jérémy, Mackinson Charles pour VOA Creole. Et puis pendant ce temps correspondant nous, Yves Manuel so di nou, et bien gen plusieurs moun et plusieurs personnalités qui ont fait des paupières pour yon capable vin tourner premier ministre parmi yon gen Met Iswik Teofé. Nous gen sous place en Port-au-Prince ou dans tout ça. Groupe Mounsayou fait partie plusieurs instituts organisationnels, parmi eux, Organisation Développement et Intégration Moun Marginalisé et Union Nationale Étudiants en Haïti, qui constituait secteur jeunesse haïtien, qui supportait M. Iswik Teofin, un membre équipe Montana, pour poste premier ministre, qui t'a dû remplacer officiellement Dr. Ariel Henry, d'après Lens Simonis, coordonnateur général secteur jeunesse haïtien. Nous fait des propositions et nous bien accusé réception nous nommer nous là. Côté que yo dit yo recevoir document nommer nous. Donc nous déposons ensemble de 18 pièces, nous t'es même parce que yo t'es bloqué nous pour certificat de nationalité. Nous t'es même allé avec carnet scolaire depuis première année jusqu'à philo. Nous allé avec procès verbal. De fin d'études li yo, yon façon pour nèg pa di met Teofin pa haïtien. Parce que met Teofin pou ko jam fè. Même c'est domaine met Teofin pou ko aller. Même c'est domaine il va. C'est un vrai patriote. Un patriote sensé, un vrai nationaliste. Et nous besoin nan niveau ça pour aider jeune yo, pour charrier, pour aider jeune yo k'ap kouri kite pays ya et puis pour charrier ensemble des revendications populaires yo. Bon côté parle, c'est juste Wilkins. Membre commission secteur jeunesse haïtien a mandé conseil présidentiel transition agir vite à processus là pour capable débloquer situation en Haïti. Nous même au niveau secteur jeunesse haïtien nous dit faut conseil présidentiel de transition ça commencer passer à l'action. Faut qu'on suspende faire dilatoire. Population li pa ka supporter encore. Moun ka viv dans abri provisoire yo pa ka supporter encore. C'est la famine, c'est insécurité alimentaire sous toute forme, c'est question corruption, c'est question chômage côté que des jeunes diplômés dans pays a qui pa ka fonctionner, c'est question et fuite des valeurs, j'en t'a dit tout à l'heure, côté que nous gagne des valeurs intellectuelles qui obligé quitter pays a puis à chercher au mieux être dans le pays Chili, dans le pays Brésil, nous pas qu'à supporter encore. Secteur jeunesse là plaidé en faveur tout, mise en place organe action contrôle gouvernemental là au CAG pour capable éviter gaspillage dans l'argent à bien l'État haïtien. Wena Toussaint pour VOA Creole, Port-au-Prince. Après toujours dans Port-au-Prince pour nous parler de justice, plusieurs employés dans Sénat haïtien manifesté devant prison civile femme qui dans fort dimanche pour demander libération secrétaire général institution madame Marinelli Verpil Broyer Machado Villemey depuis Port-au-Prince. Selon employé protestataire yo, madame Boye pa gen rien pour li wè nan détournement l'argent ak matériel l'état. Finalement, yo di arrêté madame la pour corruption, mais qui hautement négatif. Parce que madame Boye a engagé le Sénat de la République à partir de mai 2023 à
avril 2024. Juge là pour qu'attendelle sous dossier ça. Et c'est madame Braye qui t'a invité ULCC pour venir faire un rapport sous Sénat dans l'ancienne administration qui était passée. Mais nous même présents, c'est région madame Braye. Mais madame Braye la Cali, pour la reposer, pour la remettre semaine prochaine pour le vaquer à toute occupation. Madame Braye, madame corruption, là c'est madame qui écrit ULCC. Comment faire celle-là arrêter? Madame Braye, 11 mois, 9 jours. Madame Braye, 11 mois, 9 jours, monsieur. Et comme si ma porte de plainte, et puis tout le monde m'a porte de plainte, là, comme si vous. Madame Braye, tout lui-même, n'a pas un paquet de machines là-même. Il n'y a pas de problème dans la main. Madame n'a pas acquise. Automatiquement, il faut acquise. Il faut acquise madame. Il n'y a pas de problème. Cependant, l'avocat qui a défendu madame Boye dans quatre dossiers ici-là fait qu'on est après Téton, avis commissaire gouvernement pour madame Boye capable de quitter prison. Maître Lucien Joly a bail détail. Nous avons déposé une requête en main levée. Effectivement, le commissaire du gouvernement a rendu une conclusion afin que la requête en main levée a agréé. Et le juge d'instruction a rendu une ordonnance et pour pouvoir procéder à la libération de madame Boye. Nous sommes pas devant la prison civile et des femmes d'Adelma et en attendant la libération et de la dame Marie Nelly Verpillier soit effectuée convenablement. C'est que jusqu'à présent là pour libérer. Il y avait une erreur dans ordre de mise en liberté. Il y avait une erreur. Nous allons rectifier ça auprès du parquet de Port-au-Prince. N'a pas rappelé juge instructeur Merlin Bellabre t'a ordonné arrestation secrétaire général Sénat haïtien Marie-Nelly Verpillier demain passé après le fin de dans cadre enquête ULCC sous quatre débits avec gestion machine dans Sénat. Cependant, dans une vidéo qui a circulé sur réseau, t'a montré madame Boye qui a quitté prison sous applaudissement employé Sénat. Toutefois, avocat secrétaire général Sénat haïtien dit que les liens a prêté à la disposition de la justice. Depuis Port-au-Prince, moi c'est Massia de Villemé pour Féroa Créole. Et puis toujours concernant le pays d'Haïti, il y a l'armée américaine qui déclarait hier mardi 8 mai, il commençait par terrain pour arriver en Haïti, force multinationale que Kenya pral diriger pour contrecarrer activité gang qui lague pays a nan yon souffrance économique ak yon crise humanitaire grave. Commandement sud États-Unis te coordonné plusieurs vols avion militaire américain qui atterri nan aéroport international Toussaint Louverture d'après yon note pou la presse qui sorti nan l'armée. Note la dit tout personnel sa pral travail ensemble ak dirigeant aéroport haïtien yo pour bay sécurité pour équipement ak lot matériel qui rive nan pays d'Haïti. Mission sa a vin possible grâce à effort sans rete parti concerné haïtien yo qui a cherché kembe aéroport à l'ouvrir et puis qui tel fonctionné. Et puis d'après yon contact que AFP te prend avec responsable haïtien et bien groupe Kenya yo ou bien contingent 200 policiers Kenya yo ap gen pour arriver 23 mai 2024 nan pays d'Haïti ou sou VOA Créole ou suivi un programme nan langue créole haïtien. Ou toujours sous VOA Créole, ou suivi un programme dans la langue créole haïtienne. Merci d'être choisi nous pour informer. Et qu'on y a, nous parlons dans l'actualité internationale là, nous parlons dans la région Moyen-Orient, côté que toujours gagné. Et actualité, eh bien, Israël fait que objection à annonce États-Unis fait pour deal la suspendre livraison Zambali si l'y menait vraiment opération nan Rafa. Jean-Aubert Philippe a suivi pour nous. Jean-Aubert, média américain yo rapporté que Israël gèlè a réfléchi en pile devant pression que Washington a fait souli concernant opération, gros opération que le vle mené nan Rafa. Alors effectivement, Jacques Nandia, c'est ambassadeur israélien aux États-Unis qui fait annonce là, qui dit que Israël fait objection avec et en fait déclaration États-Unis fait pour dire la suspendre bah aux armes pour opérer sur la mener l'autre bois.
Donc, il dit que d'abord, il connaît les gens que les États-Unis supportent pendant la guerre et que pour eux-mêmes, c'est une surprise parce que pas d'attendre avec une déclaration pareille. Donc, guerre, en fait, cabinet guerre et israélien, en fait, si vous pas réuni déjà, vous pour réuni justement pour réévaluer le dossier, réévaluer la présence même dans la FAR, une façon pour être dans qui mesure capable. Et les États-Unis, pour que les États-Unis ne prennent pas de décision, ils disent qu'il n'est pas bon pour eux. Dans ce qui semblait augmentation de pression dans la guerre Israël menée dans le territoire Gaza, l'administration Biden a suspendu temporairement la livraison d'armes pour Israël. Annonce a fait dans le moment qui a sauté sous plan nation hébraïque pour étendre l'opération militaire menée dans la ville Rafah, une décision que les États-Unis n'ont pas supportée. Mois avril passé, l'administration Biden a averti que les États-Unis ont supporté la guerre Israël à moins que les franchissent étapes concrètes pour protéger les civils. Avertissement ça a pas empêché Israël lancer une opération militaire dans la ville Rafah, partie sud territoire Gaza, à côté plus passé 1 million de monde pour un refuge. Mercredi 8 mai, le ministre de défense états-unien Lord Austin a fait annoncer là. Currently reviewing some near-term security assistance shipments. In the context of the actuellement, on a prévu quelques livraisons d'assistance à court terme que n'a pas Israël dans le contexte dernier événement qui a passé dans la ville Rafah. C'est la première fois depuis l'attaque 7 octobre, militant Hamas a été lancé sur Israël. États-Unis mettaient en question la livraison d'armes là-bas Israël pour aider le gourmet avec militant Hamas. Le groupe d'Azumé a longtemps depuis a demandé États-Unis suspendre transférer les armes à Israël, il a accusé cap utilisé en violation avec loi humanitaire. Membre progressiste parti démocrate là dans le Congrès américain a accueilli suspension mais républicain yo tant que Lindsey Graham critiqué. You want to micromanage the war? You know, we dropped two atomic bombs on the Japanese. Les États-Unis ont lâché deux bombes atomiques sur Hiroshima avec Nagasaki au Japon après attaque Pearl Harbor. Est-ce que gen moun aux États-Unis ça te bail problème? Mais les Américains rapportent semblé Israël a réfléchi à une opération l'a mené dans la ville Rafah après annonce États-Unis. Première fois États-Unis étaient considéré faire une pause sur livraison d'armes, c'est les Israël étaient presque prend décision sur Rafah d'après une responsable replacée administration étant donné que Israël pas prend en considération totalement souci États-Unis gagné, eh bien administration a été décidé semaine passée à camper sur livraison d'armes là-bas Israël. Joseph Philippe VOA Creole Washington. Et bien après t'es toujours dans dossier qui gère rapport avec guerre Israël Hamas là et ben gère deux membres Congrès américain qui te viennent porter support by étudiants qui a manifesté en faveur Palestine dans Georgetown University après que la police t'ait metté étudiants au dehors dans camp yo sous campus l'école là et ont été arrêté plusieurs douzaines là-dedans yo Valérie Saint-Louis depuis New York. Hier mercredi 8 mai, deux membres Congrès américain, qui c'est deux démocrates progressistes, te vin pote support et mettaient tête ensemble avec un groupe étudiant université George Washington pour dénoncer action la police là qui t'ai déblayé un camp étudiant qui était en battante sous campus université a et arrêté plusieurs douzaines manifestants pro-palestiniens. Sous marche escalier Capitole américain, député Cory Bush ensemble avec représentant Rachida Tlaib, qui c'est première femme palestinienne américaine en Congrès, te prend la parole en faveur étudiants manifestants pro-palestiniens. Représentant démocrate État Missouri à député Cory Bush t'a dit Students are protesting all across the country because they believe our government. Élèves yo a protesté tout partout dans pays a parce que yo croient que gouvernement nous a échoué. Mais li pas reconnaître que tout monde c'est humain. Y a protesté, manifesté parce que yo pas d'accord avec silence et complicité gouvernement nous a sous la mort au moins 35 000 Palestiniens. Yo protesté contre complicité gouvernement nous a dans un génocide, une crise humanitaire à grand goût maladie avec l'autre souffrance. Représentant Rachid Atlaib, te prend microphone nan li te lancé slogan. Students are saying save lives no matter faith or ethnicity. Gade ça, élèves ça yo a demandé pour sauver la vie, quelle que soit la foi ou soit ethnicité. Moi senti ça c'est un bagage que complètement ignoré. Pour que ça yo de yo là? C'est peut-être ça nous fier pour nous servir à position nous comme élus pour nous porter voix yo aller, pour nous tout pas oublier pour qui ça gain camp attente et pour qui ça gain mouvement ça yo à travers pays ça. Kali c'est un élève dans George Washington University. I've watched my fellow students, my close friends
friends. Mwen te wè camarade étudiant mwen yo, zanmi proche mwen yo. La police te frite yo à gaz. Yo te rache foula yi habyo nan kou yo, jete yo à terre. Yo te maré mè yo sous chaise roulante yo. Yo te frappé tête yo contre chaise bicyclette yo tellement fort que lunette yo crasé. Force police yo a fait ça, mwen certain c'est parce que yo wè que Rafa toujours pas qu'on envahi. Miriam li même c'est un élève juif dans George Washington University. While our universities in D.C. have been subject pendant que l'université nous yon en Washington D.C., yon te si bi brutalité, pas gen yon seul université qui rete campé dans Gaza. Mouataz Salim, yon étudiant palestinien américain qui a vécu aux États-Unis depuis 10 l'année, li te prend la parole tout lui-même, elle te dit. You shut down our encampment, sure. Well done. Ou fait mec en nous, bon travail. Ou n'y a lycée yon la cour qui paguen en yon la donne. Well done, George Washington University, ou bien fait lui, président Ellen Gunberg. Ou fait bien pas vrai, ou détruit un bel espace communauté qui était bâti sous l'amour. Nous fait craser quand nous avec violence, pas gain problème. N'a retourner, moi promets tout n'a retourner pirade et n'a pour libération Palestine. Moi promets tout ça. Étudiant palestinien américain Mouataz Salim te dit que li perdu même famille dans la guerre dans Gaza. Li promet étudiant que la retourner continuer manifestation yo contre condition yo dans Gaza. Pendant à peu près des semaines dans camp yo sous campus George Washington University, ambiance était très tranquille. La police est débarquée hier mercredi a écrasé camp yo dans la nuit. Et yo arrêté 33 étudiants. Administration George Washington University a averti étudiants yo que te doit suspendre continuer faire campement ak tenture sous la cour universitaire. Manifestants qui te porté pancarte qui dit libérer Palestine ak retirer men nou sous Rafah, yo te marché, yo t'al campé devant kay président universitaire madame Ellen Greenberg en dedans l'école là dans la veille dans mardi soir. Depuis date 18 avril, environ 2800 moun te joignent arrestation yo sous 50 différents campus universités. Yon chiffre qui basé sur rapport avec déclaration université ak agence qui fait respecter la loi dans pays a te bay pour VOA Creole. Valerio Saint-Louis. Merci Valerio Saint-Louis, n'a prêté toujours ici aux États-Unis, ancien président républicain Donald Trump t'est retourné jeudi encore dans tribunal dans cadre procès sous silence il était acheté et dans cadre relation amoureuse bouboutage que il t'a gagné avec Stormy Daniels qui c'est yon et vedette porno. Dans moment il t'a entré dans tribunal là, il t'a fait connaître que il prend un gros recours par rapport à interdiction pour lui qui pas constitutionnel pour le pas dire rien sous témoin avec jury pour le kembe et silence. Dans même occasion, il déclarait que attitude président Joe Biden vis-à-vis Israël c'est un scandale. Et lui-même dit si un monde juif t'a voté pour Biden, c'est appuyé en route. Li abandonné Israël, li fait un mauvais bagaille. Faut dire que Stormy Daniels qui dans centre procès historique ça, t'est retourné tout dans tribunal après il était passé environ 5 heures mardi qui s'est passé là. Côté que l'État fait yon paquet de déclarations, yon paquet de témoignages, yon paquet de révélations sous relations sexuelles l'été gain avec ancien président et gain avocat ancien président qui dit que son fille tête li pas droite, son fille qui voulait à tout prix que ancien président allait nan prison. Et puis, nous parlons d'Amérique latine, élection en valeur dans pays Mexique, côté même prisonnier qui peut juger capable de voter. Gentil Augustin Junior. Pour première fois, prisonnier qui peut juger dans prison Mexique, t'es voté dans élection avant les pour président, à hier mercredi 8 mai 2024 là, dans yon centre détention, côté yon fermé. Nous juste espérer que yon respecte parole yon, plus que tout l'autre bagay, pour la vie qui vient pi bon pour nous-mêmes, ak fami nou yon. Prisonnier captant jugement ou soit condamnation yo te commencé voter depuis lundi 6 mai 2024 là dans élection présidentielle Mexique dans prison yo yon première fois pour nation Amérique latine. Para mí el mensaje más importante es decirle que message qui pi important c'est di yo comme yon autorité électorale que nous reconnaît droit yo parce que yo c'est moun ki poko jugé. Ça veut dire yo poko condamné. Qui donc yo toujours gen droit vote politique en vigueur yo. Boîte vote yo te déposé sous table dans auditorium nan yon prison garçon nan ville Mexique pour prisonnier yo te marqué ak lan ki pa ka effacer pour montrer participation yo bien bonnet nan élection déjeun. Es muy importante garantizarles que su voto. Li très important pour nous garantir que vote yo jodi a. Personne pa pral konnen et puis yo pral compter ak secret. Même précaution ak res vote moun ki pa nan prison yo. Ça c'est un matin historique. Pas seulement dans ville Mexique, mais à travers pays. Dans même prison messieurs dans nord ville Mexique,
354 nan 1862 prisonniers te joine autorisation voter après un tribunal électoral te décidé dans l'année 2019 que prisonniers yo qui pas condamné yo gen droit voter. D'après gouvernement, à peu près 31 000 prisonniers nan pays a, environ 13% nan total la qui plus passé 230 000 prisonniers te rempli condition pour voter. Institut électoral national Mexique la te déployé 81 bureaux vote nan prison li yo sorti lundi 6 mai pour rive 13 mai 2024 la les votes avant les yo pral fini nan élection de jen yo mexicain yo pral gen pou eli yon président 128 sénateurs ak 500 députés Gentil Augustin Junior VOA Creole Washington. Merci Gentil Augustin Junior. N'a pral retourner dans pays d'Haïti côté que gon sujet qui nan centre actualité à ces questions canal là avec toute suspicion qui gagne avec rapport qui sorti et puis surtout avec inondation qui te gagne dernièrement là. Nous pral rejoindre correspondant nous Jodley Junior Saint-Ville qui lui-même et depuis lundi te fait yon chita tande sous question ça. La pluie cap tombé depuis week-end passé a s'arrêté presque sur tout pays a la cause rivière massacre descend ak en pile force ça li pas fait gros dégâts dans canal là sinon yon porte li décollé dans bassin rétention hein sans li pas représenter gros problème pour fonctionnement canal là selon ingénieur Loubens Gilles à Cléo Mendoville qui dit au fier pour travail yo fait pendant yo considérer ça qui passé a tant qu'yon test sur canal là et beaucoup de pas nous c'est déjà fier de travail non on est confiant dans le travail que nous faisons. Ingénieur Cléo Relim il dit ingénieur mais il dit que il y a débordé et que travail nous on est caché donc puis je me plus proche et puis sous peu me retourner et n'a dit que son pas les là doit arriver sur plateforme ça doit monter à plus de 5 mètres de hauteur donc lorsque doit monter nous mêmes comme ingénieur nous pas piquer du tout parce que nous sommes confiants dans le travail que nous faisons. C'est peut-être que riverain yo avec inquiétude que de l'eau débordé sous terre naturelle là qui était inquiet. Mais nous même côté pas nous c'était déjà OK. Donc encore une fois, l'eau a monté, test l'en fait, c'est confirmé, mais nous même côté pas nous c'était déjà OK. Maintenant là nous avons fait calcul et dit là nous avons prédimensionné ouvrage à contrainte massacre parce que massacre côté à peu près 400 à 500 mètres qui peuvent passer côté. Nous avons assuré nous bel et bien pour ouvrage nous même là nous faire de résister à contre force massacre. Ça veut dire c'est ça qu'on nous fait toute mise en œuvre d'un coup. Gabionage. Malgré test sous canal la réussi, selon des ingénieurs, Cléo Mendoville et Loubens Gilles, gagné yon menace quand même sous tête canal là, qui poko fini net. Et yon kwe, fini ak travail yon journée jodia, c'est yon urgence. Maintenant, yon une inquiétude que nous ka partage avec tout le monde, parce que c'est visible, c'est en amont là, ou ta gade pi là, kone que nous te fait déviation, pour te travailler dans l'imminent rivière là, qui est exactement en dans rivière là. En amont et en aval, nous avons 6 terrains naturels là pour pouvoir te dévier. Mais à force que y a un problème, moyen, nous allons finir faire travail là. Parce que nous devons monter, les traverser. Et comme si je regarde mieux de ce que nous avons face là, il va comme sorte de île qui n'a mis dans la rivière là. Donc c'est seule inquiétude ça. C'est ça qui s'attend. Donc il y a nécessité pour nous finir avec lui. Non, voilà, c'est une obligation même. Déjà, ingénieur a annoncé travail pour le reprendre. Oui, soupe, aussitôt que vient la descente, c'est sur certains comités. Nous-mêmes, comme ingénieurs, nous sommes déjà disponibles. Dans ce comité qui va mettre matériel et matériel à disponibilité pour nous avancer. Jodley Junior Saint-Ville, depuis Wanamet, au VOA Creole. Merci Jodley, il y a l'autre aspect encore sous dossier ça que n'a pas gain pour aborder donc n'a pas gain pour nous retrouver encore Jodley Junior Saint-Ville toujours sous question ça. Nous pratiquement arrivé dans fin programme mes amis hier les concerts c'était tête chargée. Me pense à Robertson Alphonse nèg qui remet Real Madrid jusqu'au fait mal. Hier c'est un gros match fifé parce que les matchs a presque fini nous Real Madrid pas trop loin vous le dit et puis finalement gen moun ki di expérience grand moun nan c'est notre tête là a parlé de Carlo Ancelotti qui a entraîné Real Madrid, donc Real Madrid qualifié pour et final là, c'est à Dublin le 1er juin, la gain pour jouer contre Borussia Dortmund, donc c'est l'Espagne contre l'Allemagne dans une finale qui promet en pile bien que Real Madrid avec Bayern de Munich est en finale avant la lettre. Mes amis, merci d'être que nous avons choisi VOA Creole pour informer vous. Merci pour attention nous, merci pour fidélité nous et puis un gros merci à toute équipe et solide là en parlant de Nelson, de Jean-Marc Hervé Abella et puis de Jean